Je repense à une phrase de Lino Ventura qui disait, dans la vie, il y a des gars qui sont sympas, et puis il y a des gars qui sont pas sympas. Et lui, il est sympa, mais il est sympa comme les gens intelligents et comme les gens qui sont généreux et bourrés de charme. Et hier, j'étais dans son appartement et on a répété la chanson. Il était d'une bienveillance, d'une courtoisie, d'une gentillesse. Il n'arrêtait pas de me dire « Mais t'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas, c'est toi qui vas regarder. Moi, je suis en backup derrière, comme ça. Tu vas voir, mais tu chantes très bien, mais tu la chantes mieux que moi, tu sais. Comme ces professeurs de tennis qui vous renvoient la balle pile où il faut. Donc on a l'impression d'avoir des revers et des coups droits incroyables. Et puis quand on rentre à Paris, quand je deviens copain, finalement, on est nul. On reprend 6-2. Mais pendant le temps des vacances, on a eu l'impression d'avoir compris quelque chose au tennis. Et donc, je me suis décidé, moi j'ai jamais joué au théâtre, alors être sur une scène, enfin, je pourrais dire dans 20 ans j'étais à l'Olympia. Et je perds un peu ce que je voulais vous dire. Donc, en rentrant, j'ai appelé mon frère, et je lui ai dit, bon bah demain je vais chanter cette chanson-là. Il m'a fait « Oh non, pitié, mais non, pas celle-là, non, pitié, pas celle-là, il en a fait 200, et juste celle-là, c'est celle-là qu'a trouvé, quoi. Mais est-ce que tu te rends compte, il y a des gens qui ont peut-être fait 200 km en voiture, pour venir écouter cette chanson, tu vas la pourrir, quoi. Prends-en une autre, pas celle-là, quoi, il y a des trucs qu'on touche pas. Alors, je m'excuse d'avance, mais il voulait que je la chante avec lui. Il voulait être acteur, moi j'ai voulu être chanteur. Le destin a bien fait les choses, il est chanteur. Et moi je suis pas chanteur. Voilà, donc je vais vous présenter quelqu'un que j'aime à mort, mais vraiment à mort, qui est quelqu'un, voilà, c'est Christophe. Je reviens par le train de nuit.
compris. Oh yeah. J'ai lui dire les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a pas besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. Qu'on dit avec les yeux, je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux.